Je soutiens Thierry Santa, puis alors vraiment dès demain, sans état d'âme et avec tout l'élan qu'on me connaît. Thierry, d'abord, c'est une très belle personne. C'est vraiment quelqu'un, quand on est à son contact, qu'on aime. Voilà, c'est vraiment un homme qui est à l'approche, qui est à l'écoute, qui est vraiment dans l'empathie, dans la sympathie. On n'est jamais insensible quand on croise le chemin de Thierry Santa. Je tiens vraiment à le souligner parce que c'est vraiment la grande partie de sa personnalité. Il aime tout le monde, il est très à l'écoute de tout ce qui est la Calédonie, tout ce qui est calédonien. Il est reconnu, il est connu dans toutes les communautés, tout le monde l'apprécie et je pense que c'est sa grande force. Ce qui est remarquable avec Thierry, c'est que tous les postes qu'il a occupés, il les a occupés avec beaucoup de conviction et beaucoup de professionnalisme. Il sait monter des dossiers, il a la compréhension des choses. C'est quelqu'un qui lâche rien. Mais toujours, sa deuxième force, c'est qu'il le fait avec le sourire. Il le fait en allant au-devant des gens. Ce n'est pas quelqu'un de clivant, ce n'est pas quelqu'un de cassant, bien au contraire. Et il a la compétence et la qualité pour être député de la Nouvelle-Calédonie. Avec Vanessa, hein, qui l'accompagne, qui n'est pas là juste pour faire joli sur l'affiche. Hein. Je veux dire, elle est très complémentaire à Thierry, elle est très partenaire. On le voit d'ailleurs hein, quand ils travaillent ensemble. Quand on les voit, je crois que tous les Calédoniens se reconnaissent. Et je crois qu'aujourd'hui, je crois que Thierry et Vanessa sont prêts à relever le challenge. Il faut voter Thierry Santa parce que c'est une belle personne, parce que c'est quelqu'un qui va défendre les intérêts des Calédoniens de la France dans le Pacifique, dans l'Océanie, cette France océanienne. Je crois que Thierry a toutes les valeurs, a tous les marqueurs pour défendre la population calédonienne.